Coucou les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Là on est à quelle ville? Demnet. Et on est arrivé là le dimanche. Et c'est le même jour du souk. Alors pour commencer la visite, on va commencer avec le souk après l'intro. Pour les gens qui nous découvrent, nous c'est Vale Abdo. Couple franco-marocain sillonnant les routes du Maroc à bord de notre camping-car Baraka. Nous vous souhaitons de passer des moments agréables en notre compagnie. On vous aime. Alors la première chose qu'il faut faire, c'est prendre un petit déj. Un bon petit déj. À la marocaine. Avec du thé et du msemen. Petite pause parce qu'il fait quand même déjà très chaud. Ouais, le soleil il est haut alors. Alors, on a remarqué que c'est un souk très simple. Oui, pas de conserve, pas de tout ce qui est plastique, tout ce qui est produit bimo. Jouer. C'est tout du naturel. C'est que du naturel. C'est des produits organiques si on peut dire. On disait que c'était comme un Sidi Ifni. Pas de choses à manger, beignets, tout ça. Vraiment, les choses à grignoter que vous pouvez trouver là, c'est les fèves et les pois chiches. Voilà. C'est une vie, on voit qu'il mène une vie, pour moi, je trouve simple mais saine. Oui, c'est la bonne, parce que moi, je retrouve par exemple ma ville dans les années 2004, ou entre 2000 et 2004. C'était comme ça. C'est la vie tranquille, pas trop matérialiste. On mange des légumes, il n'y a pas de supermarché dans cette ville. Il n'y a aucun, même pas un market, il n'y en a pas. Il n'y a que des petits marchands pour acheter le pain, tout ce qui est journalier. Et il y a le souk pour acheter les légumes et les fruits et les viandes. Pour faire les provisions de la semaine et en fait. C'est tout ce qu'il y a et c'est la bonne vie pour moi. C'est ça. Et sont gentils aussi, il faut le dire. Oui, ils sont très accueillants. Alors c'est un endroit montagneux, donc il y a beaucoup d'utilisation de l'âne. C'est une ville amazigh. Amazigh arabe, mais plutôt amazigh. Un peuple gentil, souriant, accueillant. Oui, tranquille, ouais. Ça me fait penser à Azrou. Ouais. Elle est moins. Azrou, c'est un peu plus développé que là. Mais elle est meilleure, cette ville-là. On y est bien. On y est bien. On va y rester. Ouais, et on va y revenir là pour acheter ce qu'il nous faut, du souk.
des lapins. Ouais. Bon, lapin et tout là. Là c'est lapin et tout. On rentre, on a fait des achats, on a acheté des légumes, encore des légumes, des fruits. On va vous détailler ça. Et un barbecue parce que le nôtre est là cassé, un barbecue métallique. Et de la corde, je vous dirai après pourquoi dans les expérience. Prochaines vidéos pour une petite expérience. On vient aussi de remarquer que vous trouverez beaucoup de jeunes garçons, surtout d'adolescents, qui proposent avec une charrette de porter ouais. vos courses. C'est un petit travail. Parce que c'est vrai que c'est quand même un peuple, on va dire, les Amazighs, où dès le plus jeune âge, tu travailles. Tout le monde travaille chez eux. Tout le monde travaille. Et là, ici, on les voit beaucoup sur le souk. Apportez vos légumes. Très bien. Alors les prix ont augmenté les amis ici aussi au Maroc. Là on va vous dire, on va mettre sur la table ce qu'on a acheté et Abdella va vous dire combien on a payé. Et une petite remarque, les prix, ça c'est les prix du souk. C'est pas les prix du petit marchand, des légumiers dans les petits marchands et c'est pas le prix du supermarché. Et prochainement on va faire une vidéo, on va vous parler de tous les prix en comparant les prix en France et les prix au Maroc, supermarché, souk, Maroc, France. Et là, c'est les prix plus bas, vraiment, quand tu fais le souk, c'est les prix plus bas que tu peux avoir dans le pays. Et il faut savoir aussi que les prix échangent d'une ville à une autre, d'un souk à un autre, d'un village à un autre. Les prix, ils changent selon les spécialités des villages. Alors, tu nous sors ce qu'on a et je vais dire les prix. Les spécialités et puis ce qu'ils consomment le plus, parce que chaque ouais. région, on s'est aperçu qu'il y a des régions où ils mangent beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, d'autres beaucoup moins, donc en fonction, ouais. ça varie. Ici, on a le madnous et le kosba. Le persil et le... Et le coriandre. Et la coriandre. Alors, aussi. Le persil, elle était à 1 dirham et demi, ce qui est 15 centimes d'euros. Et pareil pour le coriandre. Ici, il y a le sac d'oignons. Je ne sais pas combien de l'oignon. Ici, il y a l'oignon. L'oignon, on l'a payé 3 dirhams, ce qui est 30 centimes d'euros. Le kilo. Le kilo. Et il y a des poivrons. Elle était à 4 dirhams le kilo, ce qui est 40 centimes d'euros. Là, on a des carottes. Les carottes, c'était à 2 dirhams et demi, ce qui est 25 centimes d'euros. Les fulfla, les poivrons. Les poivrons couleur aussi 25 centimes d'euros. Et les patates aussi 25 centimes d'euros. Les tomates 40 centimes d'euros, ce qui est 4 dirhams. Et ici on a des courgettes. Et les courgettes, pareil, 40 centimes d'euros, ce qui est 4 dirhams. Et pour les fruits. Des bananes. Des grosses bananes. les bananes c'était à 9 dirhams, ce qui est 90 centimes d'euros. Et les raisins, on a acheté les raisins comme ça, c'était à 12 dirhams, ce qui est 1,20 euros. Le barbecue on l'a acheté à 20 dirhams, ce qui est 2 euros. Et la corde c'est 1 dirham le mètre, c'est 10 centimes d'euros de mètre. Et oui, ça y est, voilà les prix hein. On a fait un cours d'économie. Allez, là on va ranger et aller pour visiter la ville de Demnet. Demnet, qui veut dire les terres fertiles en Amazigh, est une ville Amazigh de l'Atlas qui se situe à 100 km au nord-est de Marrakech. Elle a été construite vers 998, 40 ans avant Marrakech. Nous pensons qu'elle mérite une halte
pour sa zénitude et la gentillesse de ses habitants. Elle est entourée de verdure et de forêts de pins qui vous permettent de passer des moments zen et agréables. Alors les amis, il fait tellement chaud, il fait tellement chaud qu'on a dû se poser jusqu'à 17h30. C'est dur là. Pour pouvoir aller visiter la ville, il fait encore hyper chaud. On a 37-38 dans Baraka. Et au soleil, tu peux pas. Et Abdelah avait le siège au soleil, donc il est en train de brûler. Allez. J'ai sorti dans l'ombre, il fait meilleur, mais là parce qu'on était en plein soleil. On va chercher les ruelles, les petits endroits à l'ombre. On fait une petite visite dans la Médina et après on remonte pour chercher un spot. Les amis. Alors c'est une ville comme vous voyez de mini montagne. Ouais, c'est de montagne. Donc les routes penchent quand même assez. Ici on a remarqué que les routes sont comme ça très en pente. Le stationnement il se fait que d'un côté. Ouais, mais même des fois c'est les deux côtés, tu peux pas stationner, c'est interdit. Voilà. Non, plus de voilà. Ah, parce qu'il s'aperçoit que. Je me suis aperçue que je dis très souvent voilà. Mais j'ai une autre copine qui le dit aussi beaucoup. Dans des stories, elle se reconnaîtra. Mais voilà, il faut arrêter de dire voilà. Voilà. Allez, un peu d'ombre, ça fait du bien. Alors, comme vous verrez derrière moi, allez, les amis, comment on voyage sur la toiture. De la voiture chargée dedans et chargée au-dessus. Ouais, elle fait tellement chaud, on a acheté des glaces. Alors cette petite place sur ce petit coin s'appelle le quartier juif. C'était comme une habitation communautaire pour les juifs, pour qu'ils gèrent leurs trucs tranquille, ce qui reste de Mellah, pour qu'ils gèrent leur communauté tranquille entre eux, parce qu'il faut savoir que les juifs ont vécu il y a des millénaires au Maroc tranquille, et il avait un système communautaire. Dans chaque ville il y a ce qu'on appelle le Mellah, c'est le quartier juif ou la communauté juive, l'endroit où se trouve la communauté juive, et comme ça elles peuvent pratiquer leur vie tranquille avec les principes juifs. Ils peuvent faire leur pratique religion, leur vie, leur commerce et tout tranquille en communauté, et c'est bien. On est un peu dans leur médina, là où ils vendent l'habit, où ils vendent tout, là, les tissus, tout ce qui est habit et tout. Et on est juste en dessous de la mosquée. On est ce qui est là, c'est le minaret de la mosquée. C'est un peu fou. Ouais. Je vais même l'amener. C'est la tienne. Tiens. C'est le moment des beignets. Alors bizarrement, sucré pour moi. Et toi, jamais sucré. Salé. Hein, salé ? Normal, salé. C'est ce qu'on mange avec le thé, ouais. D'accord. Et regarde la couleur du mien. Jaune. Ouais. Je sais pas, il y a de l'œuf ou il y a quelque chose dedans. Alors les amis, c'est là où ça finit la vidéo. En espérant que vous avez passé des bons moments avec nous. Oui, que vous avez apprécié la petite ville de Damiette. Ouais. On vous dit comme toujours qu'on vous aime. On vous adore. On vous kiffe. Et à la prochaine vidéo, sans oublier de laisser un petit pouce, de partager la vidéo si vous pensez qu'il y a d'autres amis à vous qui seront intéressés par la vidéo, et de laisser un bon commentaire ou votre avis, un commentaire. De nous laisser un petit commentaire. Qui fera plaisir. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.